Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant quelques dizaines de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice autour d'une pile de DVD. Une pile de DVD qui a été créée pour le site copilote.ch que vous retrouverez ici en bas de page avec un petit lien pour aller télécharger les sources. Donc, L'idée avec ce tutoriel, c'est de partager avec vous un retour d'expérience sur les difficultés que j'ai eues à, à créer cette image et disons les petits couacs que j'ai rencontrés, notamment euh, du fait de certaines fonctionnalités qui nous manquent aujourd'hui encore dans le cycle. Donc, une, euh, un petit challenge aujourd'hui pour reproduire cette image et euh, vous le verrez des conséquences, puisque euh, l'idée c'est d'avoir une image avec un fond transparent. Ça, c'est la panacée du Webmaster. Je vous montre un petit aperçu dans Photoshop. C'est clair que euh, si j'ai un fond transparent avec une ombre portée, et c'est ce que je voulais, c'est euh, évidemment euh, une grande facilité pour le Webmaster de venir ensuite plaquer une image ou, ou plutôt des images par-dessus n'importe quel type de couleur de fond. Sans avoir à se soucier de, euh, du fond de l'image, puisque celui-ci est tout simplement transparent et avec euh, ce magnifique ombrage. Voilà le challenge du jour. Donc, euh, on va euh, évidemment avoir une partie cycle. Alors, tout d'abord, une partie modélisation avec euh, un petit euh, modifier euh, array euh, et un empty object pour voir comment est-ce qu'on va créer très rapidement cette pile de DVD. Euh, un petit système d'éclairage. Ici, nous sommes dans le cycle. Un petit travail de matériaux et un petit travail de du V-mapping de texture euh, rien de, de très complexe nous ne ferons même pas de de notre compositing d'un cycle aujourd'hui et puis nous verrons euh, comment venir euh, créer cet effet d'ombrage puisque euh, l'ombre qui est portée euh, ci-dessous qu'on devine légèrement hein, je suis euh, dans, si je passe dans le mode alpha on la voit donc là, euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir générer cette ombre, euh, chose qui n'est pas possible dans Blender Cycle, hein, puisqu'il nous manque tout simplement l'option euh, Shadow Only qu'on a euh, dans le Blender Internal pour pouvoir... Euh affecter un matériau pour que celui-ci ne soit pas rendu, mais uniquement les ombres qui sont portées sur ce matériau. Cette option n'existant pas dans euh, Cycles, on va euh, la créer dans le Blender internal, créer une passe d'ombre qui est euh, l'image que vous voyez en entrée ici, que nous viendrons mixer avec un nœud e alpha over, une petite color balance, pour finalement avoir le résultat final, un PNG avec un canal transparent. On viendra aussi... Euh, Discuter euh, légèrement de l'option RGBA ici qui vous permettra justement de créer ce PNG avec un fond transparent. Euh, une option euh, ultime euh, pour la création d'images euh, qui gère le canal alpha, euh, ultra pratique pour une utilisation sur le web évidemment. Je profite de cette intro pour vous remercier une, une nouvelle fois pour tous les messages que, que, que vous me laissez. J'ai pas le temps de répondre à tous. Euh, euh, mais soyez-en soyez sûrs, je les lis tous en revanche. Donc, euh, merci pour vos contributions, merci pour vos commentaires, merci pour les infos sur les add-ons, parce que c'est vrai que je suis pas un grand consommateur dadd Donc, euh, n'hésitez pas à donner de l'input directement sur copilot.ch. N'hésitez pas à poster euh, vos rendus également. On démarre ce tutoriel avec notre set par défaut Blender. Cette fois-ci, nous n'allons rien effacer. Nous allons momentanément garder la lampe et le cube qui va nous servir de base pour faire notre boîte à DVD. Un petit contrôle espace pour enlever les fléchouilles. 7, 5 pour se mettre en vue de dessus orthographique. Et puis euh, je rentre dans le mode édition en appuyant sur Tab. Tous les vertex sont sélectionnés. J'appuie S Y pour redimensionner le cube en le contraignant sur l'axe Y. Alors, on va essayer de, de donner les proportions d'une boîte DVD. On, on fait ça un peu en mode sans filet de secours puisque on n'a pas d'image de référence cette fois. On va dire que je vais positionner à peu près. 4 carrés en-dessus de celui-là, euh, ce qui va se reporter à l'identique euh, en bas et puis maintenant depuis la vue de dessus, S contraint sur l'axe Z, j'appuie Z et je redimensionne l'ensemble sur l'axe Z. Alors cette fois-ci, on va lui donner une épaisseur d'à peu près un carré et demi et puis euh, nous allons nous rendre compte depuis la vue cam caméra que bon, euh, a priori, j'ai quelque chose qui ressemble effectivement à la base d'une boîte à DVD. Le challenge, c'est vraiment de faire quelque chose euh, low poly, donc un minimum de polygones. Hein. On va essayer de faire une modélisation la plus basique possible. Euh, avoir moins de polygones, ça permet évidemment d'augmenter les temps de rendu. Je crée deux loop cuts CTRL-R, euh, molette de souris euh, sur ces arêtes, et puis S-Y pour les ramener légèrement vers le centre. Puis maintenant, je vais faire CTRL-R, deux fois Y on va se mettre en vue de côté et puis je vais faire S, Z, je vais les écarter légèrement comme ceci et puis on va sélectionner maintenant ces quatre vertex pour faire extrude, vous voyez qu'il est déjà contraint sur l'axe X par défaut on va rentrer ici légèrement notre face pour faire l'encoche, l'ouverture de la boîte à DVD il nous reste à modéliser euh la rainure, qu'on va donc faire avec deux loop cuts ici, S, Z, qu'on va faire très très fine. Et puis je vais maintenant passer en mode sélection de face, je vais décocher ces faces ici, et je vais faire X, Delete, Faces pour créer ainsi le, la fente, euh, la légère ouverture. Pour se rendre compte de l'épaisseur de notre fente, on peut toujours appuyer sur F12 pour faire un petit rendu. On est dans le Blender Internal, ne nous y trompons pas. Hein, on va mixer un petit peu les deux univers aujourd'hui dans ce tuto. Je peux tout de suite aussi, vous l'oubliez pas, apporter un petit peu d'Ombient Occlusion. On va la mettre à une intensité de 0.5. L'Ombient Occlusion qui amène de, de, de la lumière globale. De, 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 de l'éclairage qui va nous permettre, vous allez le voir tout de suite, de casser les ombres comme celle qui était ici. Et ça nous permet de nous rendre mieux compte de notre modèle. Alors, peut-être que l'épaisseur est un chouïa. Je vais repasser en mode vertex. Un chouïa trop épaisse. Donc, Alt, clic droit. On peut très bien aussi venir maintenant sélectionner cela si ça nous chante. Et puis, on va se rapprocher. S contraint sur l'axe Z, donc j'appuie sur Z et je vais réduire un petit peu l'impact de cette traînure. Un petit rendu, voilà, on a quelque chose d'un peu plus fin, d'un petit peu plus réaliste. On va maintenant effacer cette lampe puisque nous ne l'utiliserons pas et puis je vais faire également un petit peu de place à ce niveau-là. Au niveau modélisation, notre modèle est prêt, vous voyez que... Euh, on a 56 vertiques et 47 faces, donc on est vraiment dans ce qu'on appelle du low poly Je serais vraiment tenté d'amener du subsurf pour pourquoi pas donner un peu d'arrondi à toute cette boîte et ajouter des loop cuts de tous les côtés, mais pour l'image que je vais produire, franchement, franchement, c'est pas nécessaire. Euh, ça va être une miniature qu'on va retrouver euh, à un format vraiment petit, donc. Euh ne de perdez pas de vue l'objectif de votre réalisation comme vous la faites et apportez du détail uniquement quand c'est nécessaire. On va euh, passer dans le mode cycle, puisqu'on va commencer à s'attaquer euh, au matériaux de notre boîte à DVD. Donc, on va aller créer un nouveau matériau qu'on va appeler DVD euh, Body, qui sera donc euh, la couleur de notre boîtier que je vais alors selon notre image de référence qui me plaisait bien donner quelque chose dans les verts vert, jaunes assez intense on peut toujours avec un cycle passer aussi dans le mode matériaux vous verrez qu'il est pratique vraiment pour euh, pas uniquement le mode rendu mais pour vraiment voir où est plaqué quoi surtout quand vous commencez à amener des textures des textures ce qui va être très très rapidement notre cas on va d'ailleurs euh, maintenant nous concentrer sur le texturage de cette boîte à DVD. Donc vous voyez ce, ce, qui, ce qui nous intéresse, c'est de venir plaquer euh, des textures sur cette face, cette face, cette face et toutes ces faces ici. Voilà, j'aurais pu utiliser un autre outil pour faire la, cette, la sélection, comme appuyer sur C et puis venir passer ici sur toutes mes faces. Je repasse au mode vertex pour voir un peu... Petit peu. On peut aussi des fois passer en mode euh, wireframe pour voir exactement qu'est-ce qui est sélectionné et je constate que c'est vraiment les euh, faces que je vais texturer qui ont été sélectionnées. A partir de là, je ne vais pas me casser plus la tête que ça, je vais déplier uniquement cette partie du maillage et utiliser uniquement les coordonnées UV de cette partie du mèche et à lui appliquer un nouveau matériau qu'on assignera uniquement à cette partie du mèche pour euh, venir faire euh, mon coffret. Pour ce faire, euh, je vais appuyer sur U et je vais demander cette fois-ci un Smart UV Project. Aucune euh, envie de jouer avec la paramètre, donc je clique OK. Pour passer ensuite dans l'UV Image Editor, je vais créer une nouvelle image que je vais laisser sans titre pour le moment. Et puis notre image sans titre apparaît ici avec notre maillage. L'avantage du Smart UV dans cette situation, c'est que vous voyez, je n'ai pas créé de, de couture, donc on n'est peut-être pas dans un mode, euh, je dirais, académique de plaquage de texture UV et de dépliage de mèches surtout, puisque vous voyez déjà, bon, ça, ça va être la partie euh, qui, qui contient ici. Alors vous voyez qu'on reste dans le mode édition et on reste avec les bons vertex sélectionnés pour zapper entre l'UV et la vue 3D. Et vous voyez que là où il y a beaucoup de, de faces et d'arêtes... Euh, je le retrouve ici à droite de mon image, ce qui ne me convient pas. Donc je vais commencer par faire une rotation de 180 degrés en appuyant sur R180, sur le pavé numérique, Enter. Et puis S, je vais maintenant réduire euh, la taille, et puis G pour le repositionner à peu près sur mon image. Je vais pourquoi pas la déposer ici. Si on zoome un peu sur notre dépliage, vous pouvez voir que par exemple euh, ce vert ces vertex sont attachés. Par contre, ce vertex n'a pas été attaché. Donc, j'ai utilisé une technique de dépliage de mèches euh, qui fonctionne dans mon cas, avec lequel je ne me suis pas plus cassé la tête. Mais vous verrez que si vous voulez rentrer dans l'UV mapping euh, académique, on va réfléchir beaucoup plus sur notre maillage on va poser des coutures, des points de couture pour déplier un mèche complet. Là, j'ai pris des raccourcis. On le fait à la mode grossier. Je ne vais même pas prendre la peine euh, d'aligner euh, ces, ces, ces différentes arêtes pour pouvoir faire une texture magnifique. Vous verrez que finalement, je vais venir poser à l'arrache une texture et que au niveau de notre rendu, ça passera complètement inaperçu. Donc, on ne perd pas de temps à chercher plus loin. C'est aussi simple que ça. À partir de ce dépliage UV, on va euh, faire un export. Euh, que je vais mettre ici dans mon dossier texture qui sera le stack hein, et je vais l'appeler UV euh, layout comme à mon habitude. Je fais l'export de ce PNG et à présent il y a une partie retouche d'image par laquelle euh, on ne coupe pas et qui nécessite euh, GIMP ou Photoshop à choix. Je sais ce que vous pensez de Photoshop, certains m'ont déjà dit que ce serait plus sympa d'utiliser GIMP parce que c'est gratuit. Il se trouve que bon, Photoshop c'est un outil de travail que je connais, que je possède, que j'ai la chance de posséder. Donc je travaille avec celui-ci. Et puis euh, mes habitudes sont euh, un peu plus rodées, en tout cas qu'avec Gimp. Mais euh, vous arriverez à faire à arriver exactement au même résultat avec n'importe quel type d'outil de, de, de retouche d'image quel que soit son coût et je vous recommande GIMP qui est un excellent outil bien je vais euh, vous voyez que bon j'ai un petit peu euh, bossé en avance j'ai préparé ici une texture qui vient en fait du, du modèle précédent et du modèle que j'ai publié sur le site euh, il me reste à ramener mon UV layout ici donc ça on retrouve exactement euh, notre dépliage je vais faire un CTRL A CTRL C venir ici faire un CTRL V et puis maintenant euh, activer ce calque. Et puis vous voyez que ah, hey, je ne sais pas exactement où il est placé. Donc on va venir déposer de toute manière l'ensemble. Alors bon, première étape, j'ai mon fond ici que je pourrais réduire ici légèrement. Donc un CTRL T toujours dans Photoshop pour venir faire des modifications. Mon image source. Elle est plutôt pas trop mal posée. On peut jouer avec l'opacité du groupe de calques ici pour voir exactement où on en est. Et on va tout de suite remarquer il faut que je l'ajuste un chouïa à mon dépliage. Donc ça, vous n'y couperez pas également. Il faudra faire les ajustements. Ici, si j'ai mon point euh, où ça bascule. Ah, il faut que je, également. je la place un petit peu... Ah, je l'ai trop réduite peut-être. Alors, on essaie de conserver les proportions et de ne pas déformer l'image hein, en général, s'il vous plaît, mais vous verrez que bon, parfois, on peut s'en accommoder. On repasse 500%, on va activer les calques suivants. Ici, je suis pas mal, finalement, hein, je recouvre euh, l'ensemble de la zone, il me semble. Ici... On sera peut-être un petit peu haut, mais ça viendra transparent. Vous l'aurez reconnu, euh, un petit symbole très helvétique, un petit code barre ici pour venir euh, donner un petit peu de réalisme euh, à notre package, un petit logo Blender sur les deux faces, et puis enfin euh, le titre ici éventuellement. Non, finalement c'est pas trop mal, mon dépliage a plutôt bien euh, marché. Je vais, je vais donc pouvoir maintenant enregistrer cette image, je vais en faire un JPEG. Que je vais appeler Layout Texturé pour pouvoir l'identifier. Ok. Et puis maintenant, nous allons, avec euh, cette texture que nous avons fraîchement créée, nous allons pouvoir venir faire un plaquage directement dans Blender Cycle. Alors, je repasse dans la vue 3D. Je vais créer un nouveau matériau qui va être de base DVD Body. Je clique sur le 2 pour le séparer. Et puis ce sera le body texturé dont je l'appelle texte. On va tout simplement ajouter, remplacer la couleur par une image. Vous voyez qu'on ne fera pas de notre compositing avec cycle aujourd'hui. Donc euh, on va prendre quelques, quelques, quelques raccourcis qui, qui vous feront dire que finalement, avec juste les panneaux, euh, on influence le de compositing évidemment que chaque fois qu'on touche ces settings, ça modifie les settings des nœuds, mais on peut très bien travailler dans un mode pas trop complexe en tout cas avec directement les panneaux ici dans le cycle. Et puis il restera ne pas oublier à assigner notre texture. Est-ce qu'on a besoin de venir ici choisir le type de mappage La euh, valeur par défaut correspond de toute façon à l'UV, donc je laisse la valeur par défaut. Et puis, euh, je peux vous rappeler la petite astuce, voir qu'est-ce qui va prendre le DVD Body. Je sélectionne, j'ai euh, tous ces vertex qui sont euh, impliqués. Et puis, quand je les sélectionne, et puis que je. je Choisis le body texturé. Je sélecte, Je vois que j'ai bien toutes mes tout, tous mes vertex sélectionnés au bon endroit. Donc euh, l'affaire est dans le sac, comme on dit. On peut venir euh, au niveau de l'UV après ajuster encore notre texture par dessus de toute façon. Mais dans un premier temps, ce qui va nous intéresser c'est de voir. Alors, on peut très bien le faire maintenant. D'ailleurs, je vais prendre mon image UV layout et puis on va voir que il y a peut-être quelques petits ajustements qu'on va faire directement ici. Donc, j'ai pour le déplacer, je vais venir placer en tout cas important le point de basculement ici de l'image est de du côté directement là ici ce qui dépasse, c'est pas grave, là j'ai un peu de blanc. Donc j'ai Z, je le ramène un tout petit peu vers le haut ici. Vous voyez que ma texture est pas folichon folichon. Je fais euh, tout ça en mode accéléré. Et depuis le mode 3D, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi passer dans le mode matériel pour voir ce que ça donne et puis euh, venir effectivement constater que nous avons mappé au bon endroit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un dépliage UV un peu plus, euh, un peu plus euh, avec des coutures, etc. Tout simplement parce qu'ici j'ai voulu laisser mon ouverture et que j'ai voulu la tailler directement dans le maillage et que ça apporte beaucoup de complexité à ce qui était à la base un cube. Et puis je n'ai pas envie de me battre avec euh, ces. Cette ses maillages et euh, tout ce qui était euh, technique de dépliage de tout ce maillage juste pour venir poser la texture qui elle ici euh, rend plutôt bien on peut euh, ajouter une lampe shift a on va ajouter un plan on va le monter un peu sur z rx de 90 degrés rz de 90 degrés je vais venir le placer j'ai un petit peu là sur le côté, on peut aussi se mettre, donc hein, les, les, les mêmes techniques que quand on, on, on s'activait avec les, les les lampes de type RIA dans le blender internal, on vient simplement poser des panneaux, SX deux fois, je peux l'étirer sur euh, sa largeur locale ici, et puis RX deux fois pour euh, lui donner de l'inclinaison ici par rapport à son axe X local. On va tout de suite lui donner un, un matériau de type lampe qui sera de type donc émission. Et puis depuis ma vue caméra, on va la rapprocher un petit peu. J'ai 2 fois Z. Je vais me rapprocher un petit peu de la boîte. Voilà. Et puis maintenant j'ai Y. Je vais reculer ça un petit peu en arrière. On pourra d'ailleurs je pense venir le L'élever un petit peu aussi, voilà, comme ça on a l'air pas mal. Je me remets en vue caméra et puis je passe cette fois-ci dans le mode de rendu de cycle Oh, Alors, un petit ajustement on a la chance d'avoir du Nvidia, donc on va se la jouer au mode GPU. Et puis dans l'intégrateur, je vais demander dans la preview 250 passes. Oh, la vitesse à laquelle ces passes défilent, qu'est-ce que QDAM me, me plaît en ce moment, c'est assez incroyable. Alors, ma lampe n'est pas du tout assez puissante. Je vais lui mettre un coup de 5, un coup de 8. Ça commence à venir. On va repasser en mode matériaux. Je fais une petite sauvegarde. Et puis, on va Shift D, faire une rotation, venir placer une lampe ici. Alors, on va la placer si possible à l'extérieur du champ de la caméra. R2 fois Z, je la f... Ou bien plutôt. Euh... RZ, je la fais pivoter légèrement sur l'axe Z pour qu'elle apporte vraiment de l'éclairage dans la bonne direction. Je pense que je vais en mettre une aussi un peu au-dessus. Je peux essayer de pour ça créer un nouveau maillage. GZ. Euh, S contraint sur l'axe X. Et puis on va l'appeler lampe, on va le séparer et puis ce sera notre lampe euh, top, c'est-à-dire la lampe qui éclaire par-dessus qu'on va faire un peu moins intense et puis maintenant depuis notre vue caméra je me relance un petit rendu pour voir qu'il y a beaucoup 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 plus d'éclairage que tout à l'heure. Je pourrais venir sur, vous vous souvenez, le panneau World, ajouter euh, pourquoi pas euh, de la lumière directement via euh, l'illumination globale qu'offre... Euh, Blender Cycle euh, directement avec le panneau world ici et les couleurs euh, d'émission du panneau world, donc vraiment des, un avantage non négligeable parfois. On peut même jouer sur son intensité, je vous le rappelle. Bon l'idée, c'est effectivement maintenant aussi c'est euh, la grande question va être que... Vous savez que je veux un PNG transparent avec une ombre transparente. Euh, la euh, question de ne pas rendre le ciel derrière, on sait que Blender Cycle est encore à un stade de développement même si la version qui est intégrée à, la, à Blender 261 est très stable en tout cas et possède déjà beaucoup de fonctionnalités. Nous n'avons pas encore à disposition par exemple les différents types de passes et de couches qu'on veut voir au moment du rendu. Euh, il y a cependant hein, une option ici qui s'appelle Film. Euh, à laquelle je vais cocher le, la case transparente et vous voyez que mon fond devient transparent et que c'est l'astuce qui va me permettre de euh, gérer, de ne pas euh, faire le rendu du ciel ou de l'arrière-plan euh, qu'on aurait mappé. Donc euh, on n'oubliera pas non plus au moment du rendu de cocher l'option ici RGBA puisqu'on va faire des PNG avec un fond transparent. Le PNG qui est le top qualité euh, de, 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 de la, de, des images avec euh, Canal Alpha, donc le Alpha Channel qu'on active ici euh, au niveau du panneau de rendu. Avant de continuer, hmm, j'aimerais travailler un petit peu sur mes matériaux, puisque euh, j'ai envie d'avoir un, 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 un reflet un peu mode film plastique par-dessus ici euh, notre étiquette. Donc, je vais tout simplement venir choisir un mix shader à la place. Sur la surface du haut, on va mettre un, un matériau de type glossy. Sur le matériau en dessous qu'on va mixer, on va mettre notre diffuse. Il est là. Et je vais aller sélectionner, replaquer notre image texture ici. Tac. Tip top. Alors. Ce n'est pas une environment texture, mais c'est une image texture. Voilà. Et puis, euh, je vais couper complètement la, la dureté, vous voyez, de mon glossy. Et puis, euh, on va pouvoir maintenant venir jouer euh, le, le mélange entre ma texture et le matériau glossy. Ce qui m'intéresse avec ce matériau glossy en fait c'est de vous voyez, alors là c'est une prouesse de nouveau euh, vraiment agréable de, de nos amis euh, blend, de Blender Cycle, c'est que quand je me balade en mode rendu, vous voyez, oh effectivement, mon glossy ici il fait le reflet de mes lampes, euh, notamment de ma lampe du dessus, et puis quand je viens ici euh, suivant l'angle de vision, on va tout simplement voir que cette lampe euh, fait du, 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 du gloss et rendu effectivement par l'effet le, miroir du gloss directement là. Donc c'est pratique pour venir poser sa caméra. C'est toujours une galère en se disant tiens je mets ma la lampe un peu plus à gauche, un peu plus à droite, il faut que je bouge ma caméra pour pouvoir venir faire un reflet pile poil ici. Maintenant je me pose beaucoup moins de questions. Euh, je vais tout simplement venir jouer avec cette lampe. Euh, R2x, je vais lui donner un petit peu d'inclinaison. GY, je vais la pousser maintenant sur l'axe Y et venir voir quelle est son influence au niveau du gloss. Aucune. Alors GZ, on la rapproche. Vous voyez que, alors effectivement, j'ai un éclairage beaucoup plus intense et puis on, comme on voit le reflet ici, enfin apparaître. Donc GZ, GY, GX, et puis je viens la déplacer. Euh, vraiment, GX encore un peu. S, x deux fois pour la dimensionner et puis pourquoi pas rz je, vais, euh, je pourrais maintenant lui donner euh, différentes orientations s deux fois y je l'élargis et puis on vient jouer ainsi avec notre euh, notre lampe euh, avec pour but de faire ici toujours euh, évidemment du reflet et là l'avantage d'avoir euh, le mode rendu dans blender cycle euh, est indiscutable puisque je, je vois en temps réel où je vais pouvoir poser mon gloss et mon miroir. Donc GZ, je la remonte un petit peu pour ne, ne, ne pas être dans le champ de la caméra. Et puis on va l'élargir. Et puis ainsi, euh, j'obtiens le résultat escompté. On peut venir maintenant jouer sur sa, la force de l'émission pour que qu'évidemment euh, on ait un tout petit peu moins de... Alors on va plutôt la mettre sur 2 pour avoir moins de gloss, mais je peux aussi venir jouer en sélectionnant le package ici sur le matériau directement. Vous voyez que je peux très bien augmenter le diffuse qui va commencer à fondre euh, le reflet de ma lampe au niveau de la surface de la texture, ce qui n'est pas vraiment l'élément que je recherche. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de très abrupt, clac, tranché. Trop visible, un peu kitsch, mais c'est pas grave. Et puis pour la fondre moins, je vais maintenant jouer au niveau du paramètre facteur pour euh, ramener un petit peu de plus au niveau de mon euh, package. On est plutôt pas mal. Il nous reste une étape qu'on va faire dans un mode matériau. Je fais un CTRL S. Je, je, je vais empiler maintenant toute une série de. En fait, ces paramétrages, je vais devoir les refaire. Donc, euh, disons que c'était une petite démo, puisque maintenant je vais venir empiler le stack de DVD, donc la pile de DVD. Pour ceci, on va tout simplement euh, venir jouer avec un euh, modifieur de type Array. On va donc passer dans le panneau des modifieurs ici. Avant ceci, euh, je vais d'ailleurs euh, ajouter un objet empty. Vous voyez que j'ai absolument tout modélisé depuis euh, le, le pile-poil, le centre de la scène ici. Et j'ai absolument rien déplacé. Tout est bien proportionné. J'ajoute mon empty exactement au même endroit. Et puis, euh, on pourrait l'appeler euh, DVD euh, rotation puisque c'est euh, cet objet qui va nous permettre de tourner la pile de DVD. Maintenant, je repasse euh, en sélectionnant mon, euh, ma boîte de DVD dans le tableau des modifieurs. Je vais ajouter le modifieur de type array. Vous voyez que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir un offset relatif, un décalage relatif par rapport à l'axe Z. Donc, je vais mettre cette valeur à 0, mais par rapport à l'axe Z, pour venir les empiler. Vous voyez que si je mets une valeur de 1, je vais pile poil euh, avoir euh, mon, mon DVD qui est, euh, qui est stacké à la surface du DVD précédent. Donc, euh, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement, bon, on voit à travers qu'en fait, ils doivent se mélanger, j'ai l'impression de voir la texture là à travers la fente, euh, c'est marrant, mais nous allons utiliser encore l'object offset, qui sera euh, l'empty le, le, object DVD rotation, et vous verrez que maintenant, en faisant une rotation euh, contrainte sur l'axe Z, donc je clique Z après R, en faisant tourner mon empty object, je fais tourner mon euh, stack de DVD. Donc je vais en empiler un certain nombre. Euh, je vais resélectionner l'objet. Je vais en empiler, allez, on va en mettre euh, 6, 5. On va sélectionner notre empty object. Étant donné que je n'arrive pas à le choper là au milieu, je passe carrément par le panneau ici. Il s'appelle DVD rotation. Et je lui maintenant clique sur R Z et vous voyez que je peux venir faire tourner l'ensemble de mes DVD. Alors. Euh, avant toute chose, on va peut-être juste placer un petit peu la caméra. Alors, rotate Z, G pour la déplacer, euh, R deux fois X pour lui donner un petit peu plus d'angle, G je la redéplace et puis je vais venir, peut-être que je suis un petit peu près. je vais venir la placer ici en faisant toujours attention de ne pas euh, venir embarquer d'autres éléments euh, visibles. Euh, dans le champ de la caméra, évidemment. On va revenir, sélectionner notre empty object ici, dvd rotation. Je crois que je vais en fait euh, juste ajouter un stack de plus et puis resélectionner la rotation et puis trouver maintenant euh, un angle intéressant euh, que je vais, que je vais, je vais chercher à avoir de toute façon. Là, on est peut-être pas mal, puisque euh, j'aimerais avoir ce, ce détail qui apparaît ici, qui, qui, qui est l'élément qui fait un peu boîte à DVD, hein, qui est l'ouverture. Le, le, et puis, euh, garder quand même l'impression que là, on a les codes barres, que, bon, ma petite croix suisse apparaît un peu de partout. Mais disons, trouver euh, la perspective qui fait que on apporte les éléments de détail qu'on voulait faire voir à l'écran. Et en l'occurrence, pour moi, c'est euh, cet élément ici, et puis c'est euh, le reflet de la lampe donc là mon reflet avec tout ce que j'ai déplacé évidemment n'est plus en place donc je sélectionne la lampe rz je la fais pivoter 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 jusqu'à obtenir le résultat escompté là je suis plutôt pas mal en fait donc je vais euh, je vais la laisser ainsi je vais garder le reflet si bon ça éclaire vraiment beaucoup le Et ça, ça booste vraiment l'étiquette sur le haut mais bon pourquoi pas? On va garder euh, notre scène euh, Blender Cycle avec notre fond transparent, nos lampes, nos reflets et euh, l'ensemble ainsi. Je vais faire une sauvegarde et puis on va passer maintenant dans le blender internal pour faire la passe d'ombre hein, qu'on va euh, ajouter euh, à ce channel alpha via du node compositing. On passe dans le Blender Internal en cliquant ici et en repassant dans le Blender Internal. On va déplacer ces lampes qui vont nous gêner euh, M sur le dernier calque temporairement. Et puis je vais ajouter un plan qui sera le sol sur lequel nous allons projeter l'ombre. Depuis la vue caméra, je vais tout de suite S le dimensionner suffisamment pour qu'il ne... soit bien dans le champ de la caméra. On va se mettre en vue de côté. Shift A. On va ajouter une lampe de type Aria comme à la Belle Époque. On va remonter légèrement. On va aller dans le panneau de propriété de la lampe. On va réduire sa distance pour qu'elle vienne effleurer la surface du premier DVD. Réduire légèrement son intensité. On va augmenter sa taille. Et puis surtout, on n'oubliera pas de cocher l'option Ray Shadow puisque c'est ce que nous voulons faire euh, tracer une ombre. Depuis la vue caméra, je peux. Euh, Faire un F12, alors pas de panique, euh, l'ensemble ici est, est, est tout simplement shadeless, c'est le, le, le matériau Blender Cycle qui n'est pas rendu, mais vous voyez tout de suite que j'ai l'ombre qui vient se projeter ici, qui est absolument euh, bien faite. Je vais simplement euh, augmenter en sélectionnant la lampe le nombre de passes ici, que je vais monter à 8. Et puis faire de nouveau un rendu pour voir que les ombres se sont euh, radicalement adoucies. Donc c'est cet euh, ombrage que j'ai envie de récupérer à présent sur un fond transparent. Et pour ceci, euh, on va passer... Vous entendez peut-être à nouveau les cloches. Il est 18h30 à Lausanne. Il fait super froid. On va donc sélectionner notre sol, lui ajouter un matériau. On va créer un nouveau matériau qui sera le seul mais uniquement avec euh, l'ombrage. Donc je vais mettre Shadow Only. Et puis dans le panneau de propriété des matériaux, on va venir euh, cocher l'option Shadows Only qui va à présent me permettre de faire un F12 et d'obtenir un sol qui n'est pas rendu et j'ai juste la passe d'ombre qui vient ici se rendre. Si, euh, vous êtes, euh, si vous voyez quelque chose de totalement noir à l'écran, c'est euh, pas de panique. Alors, ben, tiens, je fais bien de, de le switcher. Ici, vous avez des modes qui vous permettent de voir euh, les passes, l'alpha channel en noir et blanc. Donc, euh, en blanc, euh, on, on remarque où viendra à se poser euh, notre ombrage. Euh, le 100% alpha et puis ici avec euh, le rendu du, euh, du ciel en fait donc je vais encore aller dans mon panneau world non dans mon panneau render je vais aller décocher au niveau des layers le rendu du ciel et puis à présent je régénère mon image Complètement noir, pas de panique, je passe en mode avec euh, transparence et puis euh, je remarque que là j'ai vraiment euh, quelque chose de très très propre avec mon ombrage bien délimité par le stack de DVD. Donc il nous reste à faire un F3 pour sauver euh, cette image que je vais appeler euh, stack un Shadow Only. Et puis, euh, il nous reste maintenant à repasser au mode 3D. On va à, ce, à cette fois, on va sélectionner la lampe elle seule et on va le déplacer sur l'avant dernier calque. On va passer sur le dernier calque. Je vais resélectionner mes lampes. Je vais faire M. Je vais les redéplacer sur le premier calque. Je sélectionne le premier calque et j'ai ma scène Cycles qui est de retour. Je n'oublie pas de repasser au mode Cycles ainsi. Et puis euh, à présent, on va pouvoir venir faire un rendu. Donc je vais dans le panneau de rendu m'assurer que je suis en mode GPU. Que au niveau du nombre de passes que je fais pour le rendu, j'ai bien 500. Que j'ai l'option RGBA qui est cochée. Euh, qui va donc nous faire le, le rendu avec le canal de transparence. C'est important pour le Blender internal aussi. Image, je tape le rendu. Un nombre de passes qui se passe à une vitesse absolument ahurissante parce que je n'ai que 348 vertex et 285, euh, 285 faces. Et puis nous allons maintenant pouvoir passer dans le node editor. On va euh, bien sélectionner le compositing de, des images et de la post-production, cocher use node et backdrop pour venir euh, cocher ensuite avec un shift à une output de type viewer avec la possibilité de, de voir le, le canal alpha de la transparence. On va maintenant rajouter Shift A à une input de type image, que je vais euh, ouvrir simplement, qui sera mon euh, Shadow Only qu'on a sauvé tout à l'heure, qui était la passe Shadow rendue par le Blender Internal. Si je viens ici faire un Shift D pour dupliquer ce nœud et euh, pluguer euh, l'image en sélectionnant le viewer, je vois... Effectivement, que j'ai l'ombrage avec du canal alpha et de la transparence, et puis il nous restera donc plus qu'à mixer ces deux images à l'aide d'un nœud euh, color alpha over hein, qui nous permet de mixer les canaux alpha. Donc, je viens injecter ici euh, ma première image qui est les, le stack de DVD. J'engage ensuite le, la passe d'ombre. Je coche l'option euh, pré-multiply Vous voyez qu'avec <coughs> Ici, on, avec cette option-là, on, on, on visualise mieux euh, ce qui se passe. On, on peut très bien maintenant jouer sur le facteur aussi pour réduire euh, l'incidence de l'image, de l'ombre qui est injectée sur le, sur le slot du bas ici. Et puis surtout, on n'oubliera pas euh, de venir euh, injecter euh, ceci au niveau du compositing. Mais avant toute chose, on va, on va encore faire... Parce que c'est un dada, je ne peux m'en empêcher. On va injecter encore une petite color balance. Et puis, euh, je vais venir jouer un tout petit peu sur mes tons euh, foncés pour les rendre un peu. Petit peu plus verdâtre, je vais booster l'éclair, mais pas trop, euh, puisqu'on a déjà un éclairage assez intense ici. Donc, vous voyez, hein, on a de l'ombre qui se projette euh, d'un DVD sur l'autre. On a ici vraiment bon. J'aurais pu augmenter un petit peu mes passes pour avoir euh, on voit qu'il y a un petit peu de bruit ici encore dans l'image, mais disons, euh, mon image va être fortement réduite en plus hein, pour euh, ce que je vais en faire sur le web. Donc, pas de panique avec ce genre de détails. On va essayer de jouer un peu sur les tons moyens pour voir. Euh, rendre l'étiquette quand même bien clair et puis je crois que je vais descendre les highlights taper un petit peu dans les bleus sur le highlight taper un petit peu euh, l'inverse sur la roue chromatique au niveau des, des moyens et puis venir faire vraiment du peaufinage et du fine tuning sur l'image une fois que vous êtes satisfait il reste plus qu'à cocher euh, à venir cliquer ici maintenant le rendu avec compositing les 500 passes qui se font à une vitesse de science-fiction, et puis euh, grâce à toujours à l'accélération de la carte graphique. Et puis euh, j'ai au final la passe de compositing avec l'ombrage. Il me reste à faire F3 pour venir euh, sauver ce, cette image PNG que je vais appeler final render .png et puis, euh, je vais encore récupérer ça dans euh, un éditeur pour vous montrer le résultat. Je fais, tiens, une petite sauvegarde. Et puis, nous allons venir maintenant récupérer l'image. Alors, euh, texture, où est-ce que je l'ai enregistré Je l'ai enregistré, mon image. Je ne l'ai pas enregistré, ici, final render. Il devrait être dans mon dossier texture. Alors, texte, 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 texte. Ah il est là, il ressemble tellement à mon image de référence que dans la miniature j'ai cru que c'était mon image de référence et non elle est bien là. Donc vous voyez qu'avec la visionneuse euh, la visionneuse de Windows j'ai euh, un fond blanc euh, donc euh, il nous met un background blanc euh, mais on voit bien que j'ai euh, mon effet d'ombrage qui est conservé au niveau de l'image ici. Et si j'injecte cette image directement dans Photoshop. Vous allez voir que effectivement j'ai un fond transparent et un super ombrage. Et ça, ça va être euh, le bonheur du, du webmaster, puisqu'après je récupère cette image pour aller euh, composer mon module euh, sur le web. Et puis euh, au miracle, vous voyez que l'ensemble est transparent. Et que maintenant, quel que soit le fond de la couleur de ma page web, je vais pouvoir euh, lui appliquer n'importe quel type de couleur, mon ombrage, mes canaux de transparence, tout va rester. Euh, très très propre. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère Je, que vous aurez pu découvrir quelques trucs et astuces, notamment euh, avec euh, ces options qui nous manquent euh, parfois dans euh, Blender euh, Cycles et qu'il ex qu existe depuis euh, belle durée, depuis le Blender internal. Ne vous inquiétez pas, Blender Cycles a très certainement évolué. On va voir ces options euh, arriver prochainement. Donc, l'exercice de, de de faire fonctionner euh, les deux moteurs de rendu et de mixer des différentes de leurs passes euh, est une option toujours intéressante pour devenir un meilleur artiste 3D, puisqu'on est toujours amené à toucher euh, des outils différents. En ce qui me concerne, c'est la fin de ce tutoriel, j'aimerais réjouis de voir le, les rendus euh, que vous allez produire. N'hésitez pas à me les poster à thierryadcopilot.ch par email, à les poster directement dans les commentaires sur copilot.ch. Pour ma part, je vais partir pour quelques jours de ski à la montagne. Je me réjouis, il y a beaucoup de neige. Il fait très, 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 très froid. Mais euh, le snowboard et le ski me manquent. Donc, je vous retrouverai dans une semaine pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Copilotes, à bientôt!